Les gars, avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti! Allez! Cette épreuve consiste à ouvrir en un minimum de temps des noix de coco entières, à en extraire entièrement la pulpe, à les stocker dans un sac prévu à cet effet et à nettoyer l'emplacement. Les outils utilisés sont une hache, une lame recourbée et des sacs en toile de jute. Cette discipline nécessite beaucoup de dextérité car elle n'est pas sans danger. On distingue trois catégories d'épreuves cette année. Le concours individuel homme avec 60 noix, le concours par équipe homme avec 150 noix et le concours par équipe femme avec 100 noix de coco. C'est un concours de vitesse. La réussite de l'épreuve est jugée sur la vitesse d'exécution. Une épreuve bien connue pour les gens de l'île de Taha, grande productrice de copra.